Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, on reçoit un acteur, oui, un acteur que vous connaissez très bien, c'est Gilles Alma. Ouais, salut, ça va? Enregistre là. Non, parce qu'il y a eu un petit buzz juste avant, juste les gens avant, sont pas au courant. Un petit problème technique. Ça va, tout va bien? Ouais, ça va et toi? C'est formidable. Formidable. Bon. Et alors, on va passer à la première séquence de cette émission, c'est l'interview. Oh merde. Réveil Média, l'interview. Dans cette interview, Gilles Alma, on a une petite habitude, on reparcourt la biographie de notre invité. Oh merde. Alors, et toi, t'es acteur, t'es humoriste, ça s'entend. Ouais, je suis drôle. Tu décroches ton premier rôle au cinéma en 2004 dans le film 13, Sametti. Ouais, et oui, tu poursuis en interprétant Wolf dans Bientôt J'arrête de Léa Fazer et dans Vilaine aux côtés de Frédéric Bell, Marie-Lou Berry et Chantal Lobby. Véritable carton qui te permettra en 2009 d'être à l'affiche de 4 films du grand écran, dont À la libido et Eden à l'ouest. Merci Caroline Rochelle. Oui, il la prononce à la française. Exactement. Et deux ans plus tard, on te retrouve toujours au cinéma dans One Day, Bienvenue à bord, Halal Police d'État. J'avais regardé ce film, il est hyper drôle. Mais aussi en 2012. Mais les 2012, autres, t'as pas regardé en fait, c'est ça? Non, pas tous. Mais il y en a qui n'existent plus, ils ont été rayés de la carte, ils ont été brûlés. Mais aussi en 2012 dans Au bonheur des ogres, où tu te mettais dans la peau d'un vétérinaire. Ouais. Il y a le cinéma, mais également la télévision, Gilles Alma. Tu participes à nombreuses publicités, mais aussi des séries à succès comme Camping Paradis, Les Bleus, Samantha Ouch, Weekend chez les Toqués, etc., etc. Côté théâtre, tu joues dans plusieurs pièces de Sacha Guitry ou encore dans Le Système Ribadier de Georges Feydeau. Et en 2011, tu montes sur les planches pour ton premier one-man show qui s'appelle Gilles Alma, Born to be a Star, ou presque. C'est bien ça, hein? C'est ça. Pas tout, parce que t'es figurant aussi dans le clip Elle Panique d'Olivia Ruiz, La Fille de la Bande de Ronan Luce. Et en 2013, c'est même aux côtés de la chanteuse Jennifer que tu fais apparition dans le clip de la chanson Les Jours Électriques. Et aujourd'hui, on te retrouve du lundi au samedi dans Nos Chers Voisins à 20h45 sur TF1, où tu interprètes Alan Stuck, et dans le spectacle d'improvisation Box Office tous les samedis à 17h au théâtre de 10h dans le 18e arrondissement de Paris. Et on a une petite autre petite habitude dans cette émission, c'est qu'on écoute une audio clin d'œil. Je sais pas si tu te souviens de Zinz Interview. Non. Non. Eh oui, tu t'en souviens. Qu'est-ce que c'est? C'était une interview à chaud qui vire aux zinzins dans le milieu du sport. Et dans l'extrait qui suit, le sujet c'est pas de dopage en athlétisme. Ah oui. Vous avez une pêche d'enfer. Une pêche d'enfer, je la sens, la victoire, je la sens. Justement, vous battez record sur record, et ça intrigue. Vous leur dites quoi à ceux qui remettent en cause vos performances? Putain, mais je leur pisse à l'arrêt. Un bon gros jet d'urine bien épais dans leur sale gueule, comme ça pour les adélices, ils peuvent y aller tout seuls, ils ont tout ce qu'il faut sur eux. Vous niez donc toute absorption de substances illicites? Putain, mais je suis net, moi je suis clean, ok? Je bois que de l'eau, on est d'accord? Ah, c'est la drogue. C'est moche. Oh, c'est moche, c'est moche. Ça fait plaisir. Alors, t'es acteur et humoriste. Est-ce qu'il est simple d'accepter un rôle dans la comédie? Bah écoute, je m'attendais un peu à cette question. C'est pas vrai. Je te jure. Je sais pas, j'ai un pressentiment, un ressenti. Et tu l'as compris tout. Je suis un petit peu médium. Et j'ai compris cette question. C'est formidable. Alors, oui. Ouais. comme je suis quelqu'un qui faisait beaucoup le con en cours, puisqu'on est dans une radio de jeunes étudiants. Mm-hmm. J'aime bien la comédie, c'est souvent ce qu'on me propose. Mais t'as dû t'adapter un petit peu à d'autres rôles qui. Ouais, je sais pleurer aussi, je pleure. Je pleure des fois. Entre nous. Vas-y, pleure tout de suite là. Ah, ça le fait un peu, vous verrez sur les webcams. C'est ça, un vrai acteur. C'est extraordinaire. Oui. Et toi, t'es aussi bien sur scène, à la télévision ou au cinéma, et qu'est-ce que tu préfères entre les trois? Donc le cinéma, c'est bien parce que tu prends plein de pognon. Ah. Tu prends plein de la caillasse, tu vois. Combien t'as gagné, dis-nous. Non non, mais si tu veux, je peux te le dire. Tous tes comptes sont peut-être pas ici. De quoi? Tous tes comptes sont peut-être pas ici. Ah, mais quoi? Les comptes en banque. J'ai un problème de retour, Michel. Alors faut que j'arrête le. Alors peut-être tous mes comptes ne sont pas ici. Écoute, sur Vilaine, comme quand tu fais rien, t'es payé beaucoup moins. Hein, c'est la logique des choses. Oui. J'étais payé 500 balles la journée. J'ai fait 10 jours, j'ai pris 5 000 euros. Ah oui, brut, c'est bien quand même. Ah ouais, d'accord. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal, mais à la fois les mecs ils sont payés 1 million. Hein? Net, ça fait combien?
Ah bah écoute, tu demandes à l'administratrice bah, derrière, je sais pas. 4000 balles, je sais plus. En tout cas, t'interprètes Alan Stuckbecker dans la série Nos chers voisins. Tu la prononces à l'anglais, c'est à ça. À l'anglaise. Hein. Alan Stuckbecker. Ah. Et à la française, je commence ça donne... à m'améliorer. Alan Stuck. Alan Stuck. Alan Stuck Becker dans la série Nos chers voisins, du lundi au samedi à 20h45 sur TF1. Donc je le rappelle pour les auditeurs, c'est une série qui mêle la vie et les relations de voisinage des habitants d'un immeuble situé 28 rue de la Source qui se croisent sur le palier, dans le hall, la cour ou bien dans l'ascenseur. Alors comment t'as démarré cette série? Eh ben écoute, c'était donc un... Je sentais que t'allais me poser la question, incroyable. C'est bien. C'est un réalisateur, Denis Thibault, qui m'avait fait tourner dans deux pubs. C'était Cracotte, non, que t'avais fait? Cracotte, putain, tu l'as vu. Et l'autre? Citroën, bien joué. Ah là là. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans une Citroën? Tu vois, on est tous sur la même longueur d'onde. C'est des spécialistes médias, ils ont bossé. Mais ça, c'est pas Citroën. Mais est-ce que tu peux faire crac-crac sur un Vélib? Un peu plus compliqué. Et si tu fais de la gymnastique, ouais. Moi, je sais que je peux pas, en fait, je suis fatigué. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Revenons à nos moutons. Oui, Denis Thibault, et ben voilà, qui m'a mis sur le coup, puisque c'est lui qui a tourné le pilote. Et voilà, je suis arrivé comme ça. Et puis par casting, hein, j'ai passé deux fois le casting, parce qu'à la base, je faisais le rôle du coloc. Ouais. Et donc, ils m'ont viré, puisque j'ai 34 ans, et que pour être un coloc, c'est pas terrible. Et tu fais un peu vieux aussi, non? Je fais un peu vieux. Ouais. Et puis t'as des cheveux blancs, en plus. Et j'ai des cheveux blancs. Je commence même à avoir des poils de... C'est pas vrai. Des poils du pubis, 2-3 blancs. Ouais. Merde. Ah, ça c'est la merde. Dépression, C'est moche. Hein. C'est là qu'on sent qu'on vieillit. Tu veux que je te montre? Non, ça va aller. Merci. Ou à la caméra pour les auditrices. Ça va aller. Je suis capable. Donc, est-ce que t'as des points communs justement avec Alan Stuckbecker, le personnage que t'interprètes? Je sentais que t'allais me poser la question. Les prochaines, tu sais plus, par contre. Les prochaines, tu sais plus. Je suis médium. Oui, écoute, oui, je suis comme lui, je suis misogyne. Est-ce que chez toi aussi, t'aimes pas la bouffe aussi? Parce que dans cette série. Écoute, ma femme cuisine mal, ouais, c'est vrai. Ah, donc c'est le portrait craché de Alan Stuckbecker. Ouais, il y a pas mal de points communs. Ouais. Moi, je suis un cran en dessous, mais il y a pas mal de points communs. Ouais. Bon, on se doute bien, sur le plateau, ça doit être vraiment une bonne ambiance de camaraderie. J'ai vu des petits reportages, même un petit jeune de 16 ans, je sais plus comment il s'appelait, qui était venu. Son truc, ouais. J'avais regardé et ça a l'air de. On se fend la gueule, il y a une bonne troupe. On a reproduit un peu une troupe de théâtre quoi, à la télé. Et je pense que ça fait partie du succès, peut-être de la série. Bah oui. Et il y a une série quand même qui est en face de vous, c'est Scène de ménage. C'est quoi Scène de ménage, ouais, tu connais pas. Est-ce que justement c'est une pression supplémentaire? Est-ce que la production vous dit faites attention, les gars? En fait, effectivement, c'est deux programmes courts qui marchent. Ouais. Scène 2 est avant nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur le même créneau horaire. Donc il n'y a pas de vraie concurrence, tu vois. Maintenant, plus moi, l'année dernière, parce qu'à un moment donné, je crois que ça avait été diffusé à un moment donné au même moment. Non, il y avait toujours des minutes de décalage. C'est quand tu zappais Scène 2, tu tombais sur nous sur TF1. Ouais. Mais je l'ai fait, Scène de ménage, je l'ai fait aussi. J'ai fait un guest, je faisais un voisin, j'ai tourné avec Audrey Lamy. Ouais. Et c'était une bonne ambiance aussi, tu vois. Je pense que c'est les mêmes ambiances, je pense, sur les plateaux. Ouais, après, moi j'ai tourné que avec Audrey Lamy et Lou Denis, mais je crois que sur les autres plateaux c'est la merde. Mais à part les jeunes ça va, mais les autres. Bref. Et donc, mais écoute, voilà, moi j'étais ravi de le faire et c'est un très très bon programme court voilà. On te retrouve à l'affiche de Box Office, c'est un spectacle mis en scène par Christophe Delors où tous les films cultes du cinéma sont revisités en fonction des choix du public. Exactement. Par une troupe d'improvisateurs. Hein. C'est retrouvé tous les samedis d'ailleurs à partir de demain. À 17h au théâtre de 10h dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est jusqu'au 29 mars, hein. c'est ça. Ouais, hein. Tout et, à fait. Voilà. Et justement, on va écouter un petit extrait. Non, jusqu'à fin avril. Fin avril. Un monde parfait. Alors tu vois là, on va tout bétonner. Des perruques. Alors, il collectionne les perruques de qui? De Claude François, un autre personnage un peu plus ringard. Annie Cordy, je prends Annie Cordy. C'est pas dangereux un spectacle. Faut vraiment être. Enfin, c'est le public. Si on a un sale public un soir, comment ça se passe? Non, écoute, parce que ils peuvent avoir des idées de merde. Après, c'est à nous de les magnifier, tu vois. Faut être bon, en fait, je pense. Faut être vachement bon, je trouve. Je sais pas. Écoute, en tout cas, faut s'amuser. Il faut pas avoir peur. Faut vraiment y aller l'esprit libre, tranquille. Écouter ce que te propose ton partenaire quand tu joues. Ouais. C'est un peu comme l'amour. Faut y aller tranquille, quoi. Faut aller détendu du yonf.
Dans la Citroën. Dans la Citroën. Est-ce que tu te souviens justement parfois des propositions du public qui étaient absurdes ou quelque chose complètement décalé? Est-ce que t'en as des souvenirs? Ah bah oui, non mais tous les soirs il y a des propositions. Alors, si tu veux, on donne à chaque spectateur à l'arrivée un petit papier et il note un thème dessus. Donc d'accord. Forcément. Si tu veux, les gens se lâchent. Ils se disent c'est bon, mais ils sauront pas qui c'est, tu vois. Donc, on a des thèmes de malade, hein. On a des trucs, tu sais même pas ce que ça veut dire. Je peux pas t'en dire. Il y en a tellement, tu vois. Mais ça peut être Schkrofouniouf, tu vois. Ah bon, sur Schkrofouniouf. D'accord. Ouais, ouais, non, c'est. Ah, voilà, faut gérer après derrière. Faut gérer, mais voilà, faut y aller, quoi. mais c'est ça qui est. C'est entertainment, c'est voilà, les gens participent, tu t'éclates, il y a pas de quatrième mur, voilà, c'est vraiment freestyle avec tout le monde, c'est vraiment sympa quoi. Je montre justement l'affiche, je suis bien dans le bon ordre, c'est formidable. À ceux qui nous suivent sur internet et dans les vidéos, voilà, avec Gilles Alma à côté. Non, c'est on vous voit pas. On te voit ? Si, ouais. Ah, si, c'est toi. Si, c'est lui. C'est bien, faut y aller. Allez-y, allez le voir parce que ça a l'air vraiment très drôle. Et bah, quant à nous, hein, on va passer de suite à l'actu télé. Mais Gilles Alma, tu restes avec nous au long de l'émission pour participer à nos rubriques. Radio VL. Radio VL.